présenté comme l'homme clé de ce procès, Tamatoa Alfonsi, arrêté au Mexique avec l'ancien rameur Maytay Danielson en 2018. Avec 24 autres mises en cause, ils devront s'expliquer sur le plus grand trafic d'ice présumé en Polynésie. Les enquêteurs estiment que 40 kilos de drogue ont ainsi transité entre le Mexique, les États-Unis et Tahiti. Ce matin, lors d'une audience relais, la justice a maintenu en détention les 5 principaux mis en cause et laissé les 20 autres sous contrôle judiciaire. En réalité, quand il s'agit de dossiers avec un grand nombre de personnes, il arrive souvent qu'il y ait des empêchements au dernier moment ou des avocats qui ont des problèmes d'ordre réglé et que des personnes ne puissent pas venir. Et donc, ça permet de fixer vraiment la date d'audience. C'est tout, parce qu'on est nombreux dans cette affaire. Le procès de ce deuxième volet est prévu le 28 septembre. Il rassemblera d'anciens champions de surf et de va'a, la petite jet-set tahitienne et pléthore de consommateurs. 14 prévenus avaient déjà été jugés l'année dernière concernant l'écoulement de la drogue sur le marché local. Au total, 39 personnes sont mises en cause dans ce vaste trafic présumé.